sportif français. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est un footballeur international français. Il est né en 1972 à Marseille de parents algériens. Surnommé Zizou, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Il marque 2 buts en finale de la Coupe du Monde en 1998 contre le Brésil. La France devient championne du monde pour la première fois de son histoire. Zinedine Zidane est nommé 3 fois meilleur joueur mondial de l'année par la FIFA en 1998, en 2000 et en 2003. Il remporte le Ballon d'Or en 1998. Zinedine Zidane est également le premier entraîneur français du Real de Madrid. Tony Parker. Tony Parker, surnommé TP, né en 1982, est un joueur de basketball international franco-américain. Il a évolué au poste de meneur jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle en 2019. Tony Parker est le premier joueur français à avoir été sacré champion NBA pour son rôle dans l'équipe des Spurs de San Antonio, avec laquelle il est resté 17 saisons, jusqu'en 2018. Il est, par ses statistiques et son palmarès, considéré comme le meilleur basketteur français de tous les temps. Yannick Noah. Yannick Noah, né en 1960, a été un joueur et capitaine de tennis, ainsi qu'un chanteur français. Durant sa carrière sportive, il a notamment remporté le tournoi parisien de Roland-Garros en 1983, ce qui lui vaut d'être, à ce jour, le seul joueur français à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem de l'ère Open en simple messieurs, mais aussi le joueur français le mieux classé à l'ATP, numéro 3 en juillet 1986, et le plus titré en simple avec 23 titres. Je pense que c'est un peu le fruit de tout ce travail en commun, que cette victoire à Roland-Garros, et j'espère que bon, derrière ça suivra, que ça donnera de l'ambition à d'autres jeunes, parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps, on peut également gagner. Et je pense qu'on l'a prouvé tous ensemble aujourd'hui. Yannick Noah a ensuite, en tant que capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, mené les Français à la victoire en 1991 et en 1996. Il commence dès 1991 une carrière de chanteur, à laquelle il se consacre à temps plein avec succès. Il est également le père du basketteur français Joachim Noah. Parmi les autres grands sportifs français très connus, on peut citer Michel Platini, Kylian Mbappé, Karim Benzema en football, Laure Manoudou en natation, Alain Prost en Formule 1, Souria Bonali en patinage artistique et enfin Teddy Riner au judo.